SAMU, c'est un service qui comporte en fait deux entités. La partie SAMU qu'on appelle aussi Centre 15, qui est l'endroit où sont réceptionnés l'ensemble des appels du département. Donc il y a un seul SAMU pour le département. La mission principale de l'assistant de régulation médicale est de réceptionner les appels d'urgence vitale ainsi que la permanence des soins, soit le 15 et les autres appels de la médecine générale. Nous devons principalement évaluer bien évidemment le degré de gravité et le prioriser. Ensuite, nous devons l'orienter vers le bon médecin. Nous sommes amenés bien évidemment à donner des conseils de premier secours. Nous réceptionnons tous les bilans des interventions qui sont en cours sur le département et nous surveillons les vecteurs pendant les interventions. Nous participons aussi à la formation des étudiants ARM et des internes. Au quotidien, le médecin urgentiste régule les appels que vous passez au 15. Il y a forcément une réponse médicale qui sera adaptée à votre besoin, soit par l'envoi d'un moyen sanitaire, des ambulances, des pompiers. En cas d'urgence vitale, le médecin est amené à sortir avec l'ambulancier et l'infirmier, l'équipe de SMUR, directement au chevet du patient. En cas d'événement impliquant de nombreuses victimes, le SAMU peut mettre en place une cellule de crise impliquant différents acteurs en plus de la régulation médicale afin d'apporter une aide et un secours auprès de ces nombreuses victimes sur le terrain. Il y a la partie SMUR qui comporte donc le service mobile d'urgence et de réanimation qui sont les équipes d'intervention qui se déplacent auprès des patients qui là sont dispersés sur le territoire. Notre rôle consiste à cheminer le plus rapidement possible, en toute sécurité, l'équipe sur le lieu d'intervention. Avant, auparavant, un repérage précis de l'adresse, de façon à se rendre au plus vite sur le lieu. Dans l'intervention, donc, on aura un rôle de logistique. On va s'occuper principalement du monitorage. On aura ensuite le conditionnement dans l'ambulance, aussi sur le retour pour la sécurisation de la voie. Et on assure aussi une vérification journalière du bon fonctionnement de notre matériel. Le rôle de l'infirmier en SMUR, il est à la fois identique et très différent de celui d'un autre infirmier hospitalier. Par contre, ce qui en fait sa spécificité, c'est les conditions de travail. D'intervenir au domicile des gens dans un milieu relativement propre et confortable pour la prise en charge, comme dans des milieux un peu plus hostiles. L'infirmier au SMUR, il a aussi une vraie place à tenir dans l'équipe paramédicale aux côtés du médecin et de l'ambulancier, que ce soit dans les interventions ou aussi en dehors des interventions. Et l'infirmier est peut-être celui qui est un peu plus disponible pour établir une relation avec la personne, mais aussi avec l'entourage, sa famille. La majeure partie des infirmiers font une alternance de 5 semaines aux urgences, de 5 semaines au SMUR. Et c'est vraiment une bonne chose de pouvoir asseoir des compétences professionnelles sur une pratique assidue et intense aux urgences. La force de l'équipe, c'est de pouvoir se préparer ensemble et de faire face ensemble à ces situations d'urgence vitale. Et c'est vraiment aidant de pouvoir confronter nos expériences, échanger au retour d'intervention, parce que là, on est des infirmiers ou des professionnels de santé comme les autres. Simplement, on travaille dans un service particulier.